Spectateurs, nous avons l'opportunité pour nous rentrer encore aujourd'hui à la caillou avec Émission Paola, ministère de la promesse. Et comme nous déjà connaissons, le grand sujet qui a fait actualité, c'est comment affronter l'ennemi. Et aujourd'hui, nous avons un privilège pour nous présenter à vous-même le 10e épisode là, côté que nous rentrons d'emblée dans les âmes de Dieu. Et nous allons entamer avec vous, premier dans les âmes. C'est la ceinture de vérité. Et son privilège pour nous avec nous encore. Épouse nous, avec nous, nous amis nous dans le Seigneur, compagnons de genoux, les combattants que le Seigneur mettait à côté nous, pour nous travailler ensemble. Juste avant, nous va passer l'opportunité pour nous capable présenter le service là, par la prière. Seigneur éternel, nous bénissons. Nous louons, nous exaltons, nous salmodions. Merci pour grâce. Merci Seigneur pour miséricorde. Merci pour toute protection que vous bannez nous, Seigneur. Vous permettez que nous sortions, nous rentrions, nous dormions, nous levions, nous disons merci. Et matin, Seigneur, nous remettons l'émission en main. Nous demandons autant prier, toujours continuer à servir avec nous. Spécialement serviteur, Seigneur, qui peut porter parole. Nous demandons autant prier, Seigneur, servir avec lui. Nous remettons tout ça qui va faire dans l'émission en amen. Nous remettons chaque monde, Seigneur Dieu, qui déjà prend position yo, pour yo assister nous. Nous remettons dans mon Seigneur. T'en prie, Papa, t'en dis que cœur nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous comptons encore, je dis à pour nous ensemble, parce que nous avons une nécessité pour nous prêcher l'évangile, comme Paul dit. La nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et c'est sur le côté me sentir bien, sur le côté me sentir mal à l'aise, le moi m'a partagé portion de connaissance que le Seigneur a accordé avec frère, avec sœur mio. Et nous remercions tout le monde qui compte garder mission, qui relé, qui bail mot d'encouragement, qui bail opinion, qui porte critique tout. Et de temps à autre, après que conseil yo passé, critique yo fait progrès, ou après gain plus travail qui fait. À travers l'émission. Et aujourd'hui, nous avons pour nous partager la ceinture pour vérité. Comme Paul te dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4-5, les âmes que nous bataillons à la veille, là, n'est pas charnel, mais elle est puissante pour transformer les idées, les cœurs, et même traverser moelle et os, et pour combattre toute opinion, toute philosophie des hommes. Eh bien, maintenant, quoi que nous avons demandé à la pasteur pour l'introduire pour nous dans le sujet que nous avons développé, comme nous déjà connaissons, comme affronter l'ennemi, même quoi que lui-même a gagné un devoir pour l'introduire dans le premier pas épisode de la matinée, qui ça le porter pour nous, puisque nous allons parler de la vérité pour ceinture. On a besoin de lecture nous dans Éphésiens 6 verset 14 qui dit comme ça que tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. OK, tenez donc ferme, ça veut dire rester soudé. Paul dit nous pour nous rester soudé, pour nous pas relâcher. Il dit nous doit gagner dans reins nous vérité pour ceinture.
Chaque fois que je lis le passage, il est toujours bon pour m'exhorter les gens qui toujours à penser que ils sont capables de prier pour demander bon Dieu pour bailler au Saint-Huron Jean-Baptiste. Saint-Huron Jean-Baptiste, ce n'est pas où tu as venu si il a existé dans le sens littéral, j'en pense. Parce que pour un proche parent, Jean-Baptiste. Ceinturon, ça a qu'on parle là, c'est la ceinture de vérité qui parle l'autre bagaille, c'est la parole de Dieu. Soldats romains, ils étaient toujours pour ton rad sou yo, que yo les tuniques, ils ont vêtements extérieurs, même gens capables de mettre un uniforme son soldat ou militaire quelconque, ils étaient toujours gain vêtements ça sou yo, et li te gen yon morceau de tissu qui te préparé bien spécialement, soit li carré ou bien sous forme que yon fait là, mais li te gen ouverture, c'est dans tête que yon ka rentre. Pas une question li ouvri devant, ni ouvri derrière, ni bouton, ni zip quelconque, ni agrafe, c'est dans tête que yon ka rentre et puis yon rentre deux bras yon. C'est comme ça, soldat Roméo, te toujours allé dans bataille. Et avant que yon en bataille, yo te sûr, yo certain que yon ceinture qui passe dans rien yo qui pour attacher uniforme dans solide en façon pour ennemi pas atteindre dans n'importe condition. Dans proche orient les mêmes problèmes pa yo te presque même gens. Là yo pressé comme ça pour y aller faire un travail quelconque ou bien yo retiré manteau ak sou ou bien yo attaché le plus solide dans ceinture yo. Son façon pour le ennemi ta envahi ou bien sou moun ta vle atteigne pour pas gen accès. Le bon Dieu prépare peuple Israël pour yo prendre repas que rele repas de la Pâque avant pour yo te quitter Égypte, il était ordonné par Moïse pour yo te marrer ceinture. Il dit yo dans Exode 12 verset 11. N'a demandé madame pasteur pour capable lire passage ça pour nous instruction l'Éternel te bail Moïse pour bail peuple Israël au moment côté que tu as pral manger la Pâque puis tu quitter Égypte. Quand vous le mangerez, Exode 12 verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui. L'Éternel te bat au principe, là, on va manger Pâque là. Il dit immédiatement repas à préparer, nous va manger Pâque là. Nous besoin gain ceinture nous marrer. Ça veut dire faut gain franchise dans bagaille. Faut gain sincérité dans bagaille. Il dit n'a gain soulier nous dans pied nous que puis devant nous va développer parce que nous pas arriver sous âme ça. Il te veut enseigner pour yo fait travail avec courage. Yo te doit faire avec énergie. Parce que ou pas capable dans bataille pour manifester ce qu'on appelle lâcheté ou bien négligence. Non seulement li te réclamer la franchise d'Akayo, faut que tu décidé tout bon vrai pour délivrer, il te demandé aussi pour déployer le courage et l'énergie. Et ensuite, il dit nous va gagner bâton nous dans main nous, ça veut dire mettez-nous prêt. Et nous va manger rapide. Ça attire à l'obéissance et li attire aussi à une obéissance immédiate. Gen moun li prend temps le bon Dieu parle avec pour l'obéir. Li dit li pral prier. Bon Dieu fin parle avec, li dit li pral prier, li pral demander bon Dieu direction. Mais si bon Dieu déjà bon message là parle avec ou, qu'on a besoin prendre résolution pour obéir dans l'immédiat. Et c'est ça que pral faire ou porter victoire. Le bon Dieu parler ou tendez ou obéir à l'instant. C'est ça que parle ban nous une victoire. Et bien Pierre lui-même tout, lui utilise même expression ça. Dans 1 Pierre 1 verset 13, il dit c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est ça qu'on a dans passage ou à tout? Yes. Ça qu'on a dans passage ou à madame pasteur? 1 Pierre 1 verset 13, il dit c'est pourquoi saignez vos reins de votre entendement. Soyez Seyez vos reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. OK. Le Jésus-Christ même il t'a parlé de retour lui.
Il te dit disciple d'après Luc 12 verset 35 que vos reins soient sains. Ça veut dire c'est pour ceinture ou mari. C'est pas un code, c'est pas une ceinture normale, une ceinture littérale. Mais il te veut dire faut que nous camper sous la vérité, faut que nous gagne la parole. Et Pierre lui-même il prend même expression ça puisqu'il était le responsable par excellence de l'église. Pierre dit c'est pourquoi saigner les reins de votre entendement. Le Pierre exprime, il dit les reins de votre entendement. Entendement, c'est oreilles. Est-ce qu'on peut mettre une ceinture dans les oreilles? Ça veut dire que parole là, on attend de la vérité, on attend de la parole, mettez-le en pratique. Gain moment où arriver dans vie, ou besoin verset de réconfort, ou besoin un verset qui pour identifier dans cas que vous êtes en côté que vous présentez, à quel type de verset que vous besoin. Pierre dit, marre saintu entendement nous. Soyez modérés, soyez sobres, modérés, tempérés, ou pas de brigands, ni trop arrogants. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire nous devons avoir espoir sans relâche pour nous assurer que quel que soit Jean Bagaille paraît, difficile ou pas, quel que soit dans qu'est-ce qu'on trouve là, pour que la parole comme ceinture de vérité et qui pour aider à sortir dans la situation. Avoir les reins sains signifie être prêt. Ça veut dire ou besoin prêt pour n'importe sacrifier sous chemin la vie ou toujours une parole sous bouche ou toujours une réponse, une parole de vérité. Et soldat qui était prêt pour le bataille là, il est toujours assuré que ceinture marée et ceinture bien attachée en disons radli. Ceinture qui kembe rad ou qui kembe kor là. Li démontre nous que croyant doit prêt pour le bataille et ceinture ça a besoin qui pour kembo là c'est la vérité. Thème à attacher ceinture là, le jeune dans mot grec qui dit aletheia qui signifie vérité. C'est pas l'autre bagaille. C'est pas un gros ceinture on va l'acheter, mais il symbolise la vérité. Il montre tout ça que on fait ou doit faire dans la vérité. D'après 1 Timothée 4 verset 1, maintenant nous madame pasteur lit ça pour nous tous. 1 Timothée 4 verset 1, gon avis qui te bail concernant la vérité. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. La Bible t'a déjà annoncé, Paul t'a entendu, Paul dit dans tant que pral venir, pral gen pile faux prophète, pral gen pile monde qui vient prêcher mensonge, pral gen en pile monde qui vient avec des doctrines, leur garder réaction doctrine sa production doctrine, sa doctrine soit portée. Dites-vous, ce sont des doctrines démoniaques. Ça, c'est Satan qui a agi. Par l'esprit de séduction, il va venir pour faire un pile dégâts dans la vie nous. Et c'est ainsi que Paul dit aussi dans Éphésiens 6, verset 12, il demande nous pour nous capables réellement prêts pour ce genre de bagaille. Parce qu'il dit, nous avons pour nous mener en pile lutte. C'est pour cela qu'il dit, nous n'avons pas pour nous lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ténèbres de ce monde. Et demandez-nous pour nous gagner la vérité pour ceinture. Avoir au rein la vérité pour ceinture, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour nous capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, d'après ça que nous trouvons dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. N'appelez pas ça pour Romains 12, versets 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps, ça veut dire c'est où pour porter tête ou aller. C'est pas monde qui pour porter le bout. C'est où pour porter tête ou aller, c'est où pour présenter au bah bon Dieu comme un sacrifice vivant. Pas un sacrifice mouru, c'est agréable à Dieu et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire l'offrir, offrir, l'offrir, présenter au bah bon Dieu, faut présenter avec ardeur, faut présenter pour bon Dieu prendre plaisir là-dedans. Le livre dit sacrifice. Nous pas prêter sous mot sacrifice parce qu'on a parlé de vérité, mais yon sacrifice son être vivant, son animal vivant, mais qui pral vin offrir tête li pour tuer.
Mais les mandés ont un principe pour présenter là. Ça veut dire qu'il faut présenter devant Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est pas un bagage chétif. Si ma bon Dieu gloire, si ma servi bon Dieu, je dois avoir la vérité pour ceinture, je dois avoir la parole de Dieu, quel que soit côté privé, je dois avoir un verset de réconfort, je dois avoir un mot pour me défendre. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il demande nous pour ne pas imiter le monde. Je dis, nous jeunes que l'Église nous est réellement mixée. Là, nous dit mixée, ce n'est pas que gen garçon, gen fille, ce n'est pas ça nous le dit. Mais en dans assemblée nous yo gè paquet différentes doctrines k'ap prêchan nou et puis ou pa ka différencier chrétien avec mondain. Alors Paul dit non, nous pa ka conformer nous dans siècle présent. Chrétien pas de à la mode. Ou doit toujours gè la parole de vérité pour dire que bon, mais ça la Bible vle, mais ça la Bible pa vle. Il dit faut nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire faut que nous wè bagay yo dans sens spirituel que dans sens matériel afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas volonté pas nous pour nous faire, c'est pas ça moun a vinn di nous faire par émotion, mais c'est pour nous connaître est-ce que ça moun a mandé pour faire, est-ce que le biblique, est-ce que selon les normes de la parole de Dieu. Il dit nous devons gagner la vérité pour ceinture. Ça veut dire que faut nous transformer nous dans temps ça. Même là où tu es dans mi-temps 10 pour 9 pour n'a font bagaille qui contrairement à la parole, ou doit y un exemple dans mi-temps 10 là pour dire mais ça la parole de Dieu dit. Prenons le cas où non travaille ou tu as non on flore, pas gain monde converti là-dedans ou même seul converti, mais comportement doit prouver mon yo gon bagaille qui différent la caillou avec yo même. Nous montre ça montre nous que gon exigence, yon persistance dans l'amour de Dieu, dans la connaissance et dans la compréhension de la parole de Dieu. De jour en jour, persistance a dû augmenter la caille nous. Et madame Pasteur va lire pour nous Philippiens 1, versets 9 à 11, pour nous comprendre que qui ça, Paul aussi voulait continuer à enseigner à nous-mêmes. Philippiens, chapitre 1er, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10. Pour le discernement des paroles les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis de fruits de justice qui est en Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Nous dit que Paul dit même mais ça que me voulait, mais ça que m'a demandé pour nous dans prière. C'est que l'amour que nous gain pour bon Dieu, pour l'évangile, pour la parole de Dieu. C'est que l'amour ça doit augmenter de plus en plus comment? Dans la connaissance et en pleine intelligence. Je dis à nos jeunes monde pas vla l'étude biblique, yo pas vla l'école du dimanche. Comment on pourrait faire grandir? Comment on pourrait augmenter en connaissance? Et comment faire intelligence ou pourrait élargir si réellement ou pas fait partie de classe école du dimanche ou bien sous pendant études bibliques? Si ou pas fait partie de deux séances dans l'église, c'est normal ou tomber dans l'hérésie. N'importe ça, you moun bao, eh bien c'est comme ça ou ap dekose voile. Paul dit priem pour nous. Peuple Philippe. Quand on parle pas la peuple Philippe, m'a parle la peuple haïtien. Priez pour nous, c'est que nous t'aimer pour nous grandir dans connaissance parole là et en pleine intelligence. Pour nous capable discerner parole là, gens que le doit discerner. Pour nous capable présenter devant Dieu pur et irréprochable pour le jour de Christ. Parce que grand jour Christ va venir demander chaque monde règlement qui sortait fait avec la parole que il était quitté qu'à prêcher. Et ensuite, il dit que nous devons remplir avec fruits justice. Bonnes œuvres, bon bagaille. Faut le ça qu'a passé. Là nous parler de fruits justice. Bientôt nous prendre là-dedans, nous pas venir faire aucun détail connir là-dedans parce que nous prendre parler de trois justiciaux. Livre dit faut que nous grandissons, faut nous produire. Un pied bois qui pas bail fruit, il est stérile. Eh bien faut que ouais preuve la caille nous en tant que monde vraiment qu'a grandi dans Jésus-Christ pour nous capable bal gloire avec louange que lui-même seul mérite. Ne pas connaître si technicien au près, nous voulons pour pause musicale pour nous capable faire jouer une musique à la gloire de Dieu. D'apprendre pour vous, Philippiens
1, verset 9 à 11, il dit ça mandé pour nous dans la prière, moi, c'est que l'amour nous capable d'augmenter de plus en plus dans la connaissance et dans la pleine intelligence pour nous capables de discerner les paroles les meilleures afin que nous capables de pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange. Alors si tout temps pour y aller à la pour besoin de la ceinture de vérité comme ça, nous avons les 9 points d'attaque de Satan pour raison qu'on besoin la vérité pour ceinture. Pour dire nous bah où la ceinture de vérité, c'est pas l'autre bagage que la parole de Dieu. Ça veut dire que besoin de connaissance de la parole pour mettre la parole en pratique devant n'importe qu'est-ce qu'on rivait. C'est pas manœuvre pas, c'est pas parole pas qui prend le balai, mais on prend le ralon verset pour dire mais qui ça verset a dit. Yousambi dit en al voler. Ou pral ralon verset qui dit mais ça bon Dieu dit bagay doit voler. Yon zanmi dit en alfon zak, yon verset rale ou dit zanmi mais ça la Bible dit. C'est ça que nous besoin comme la vérité pour ceinture. Ou rive dans situation tout moun Bordeaux qu'on y a besoin verset qui pour faire connaître que Christ t'est annoncé. Li dit bon, m'a abandonné ou m'a vida ou même. Jean 14 18, je ne vous laisserai pas en violent, je viendrai à vous. Ou après aller Jean 14 premier, ou a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Ou après aller Matthieu 28, ou ap dit verset 19 20, ou ap dit catégoriquement Jésus-Christ est annoncé, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ainsi que nous capables bien comprendre travail que le Seigneur voulait faire à travers nous-mêmes. Et n'a demandé ou pour capable rester à l'écoute côté que nous pral présenter à nous-mêmes, une musique sous groupe Mikdea. Groupe que moi-même, Pasteur Forte et Madame, moi nous chanter, chant que nous-mêmes nous écrit et nous voulons offrir à public là, belle performance ça. Moi, je vais quitter.
Bien, c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons transformé. Et c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons quitté tout ça qui n'est pas bon. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure dans la parole là. Ou de renouveler par le renouvellement de l'intelligence, augmentant de plus en plus dans la connaissance de la parole de Dieu. Car c'est la connaissance de la parole de Dieu qui vous fait nous quitter tout ça qui n'est pas bon dans la vie. Nous. Eh bien, nous avons un privilège pour nous tomber dans le deuxième amenant qui s'est revêté la cuirasse de la justice. Toujours dans Éphésiens 6, verset 14, petit b. Revêté de la cuirasse de la justice. Nous dit que encore aucun soldat romain pas de jambes à la bataille sans cuirasse. Cuirasse là qui s'allie, son pièce d'équipement qui est très dure, qui sans manche, qui entoure torse monde, ça veut dire estomac. Il était fait en cuir ou bien en métal moulé ou bien martelé. Son matériel qui bien préparé qui pour protéger soldat le la dans bataille pour pas prendre n'importe coup. Raison c'est pour te protéger cœur avec l'autre organe qui bail la vie dans corps. Dans la pensée hébraïque ancienne, lui montre nous que cœur là, il représente la pensée et la volonté. Les ou considérer les entrailles là comme siège d'émotion et sentiment. N'a pas prendre parti ça pour nous dire dans la pensée hébraïque ancienne, il était représenté le cœur était toujours représenté pour la pensée et la volonté et là il considérer les entrailles comme siège émotion et sentiment. Là nous parler de la pensée les sentiments, nous dit que c'est deux domaines que Satan attaquait plus férocement croyant. Satan connaît depuis le rentrer dans pensée, depuis le rentrer dans sentiment, il gagne corps à tout en entier. C'est une raison toujours attendre qu'il est faible, qu'il a plaidé, qu'il a montré pas capable, qu'il a présenté faiblesse ou qu'il a présenté capacité pour capable saisir pour rentrer la caillou pour mettre toute l'autre vieille idée jusqu'à ce que le cap pousse à la dépression et le cap même pousse au faire action avec tête. Sur cela dans dimension ça, premièrement son j'ai besoin de la vérité pour cette tue. Pour connaître que Christ pas jamais la guerre, même le tout le monde dans la guerre, Christ lui-même pas jamais la guerre, il n'a pas avec vous jusqu'au tombeau, parce que le fort promesse la vie cherche, il pas quitte au seul, et faut sentir aussi que Jésus-Christ fort promesse dans faiblesse, yo, la mette force pâle, puissance pâle, qui pour faut sentir que ou fort, même Jean-Paul te dit, l'on pense que faible, c'est alors que moins fort. Nous dit que Satan attaqué, croyant yo férocement dans sentiment yo avec dans pensée yo côté il mettait toute qualité vieux idée il mettait toute qualité vieux pensée et même poussant faire des réactions négatives il créait tout dans système mondial là yo environnement de péché avec ça à côté que stimuler dans nous mauvaise pensée avec mauvais sentiment ensuite il essaie troubler raisonnement nous par la fausse doctrine et des mensonges pour capable égarer nous pour embrouiller nous. C'est une des raisons qu'on dit aujourd'hui dans pile monde du libre compte dans qui ça pour le croire. Li tellement tendé à faire litige dans religion, litige doctrinal, chaque monde prêche au bagage, chaque monde dit ou ka faire ça ou pas ka faire ça. Et bien qui te dit aux amis ou même qui dans état ça ou pas doué confuse. Sous la certitude de vérité ou a comme ça la Bible dit. La Bible interprète tête li pou kol. Ou seulement besoin la présence du Saint-Esprit. Mandez le Seigneur pour bon l'esprit de discernement pour capable comprendre ça la Bible dit. Pas gen moun k'ap vin interpréter la Bible ba ou de gauche pour dès qu'accepter le pour boire tant qu'on té que on boit. L'esprit bon Dieu là pour l'éclairer ou pour faire comprendre la vérité. C'est de façon ça Satan essaie attaquer nous plus dans trouble doctrinal yo quand il mettait la fausse religion k'a bay traka. Et ensuite, il essaie qu'on y a là pour chercher troubler sentiment nous. Li corrompu attachement nou yo, li corrompu moralité nou, li corrompu loyauté nou, li fin fait nous sans respect, li vite fait nous immoral. Et li corrompu toute idée que nous ta gagne pour nous ta prendre bon engagement. Li efforcé tout pour retirer la parole de Dieu dans l'esprit nous pour le remplacer par mensonge. Satan a essayé ouais comment qu'a détruit la vie pure que n'a mené pour remplacer par l'immoralité. Ou te kembe tête ou t'as mené une vie sérieuse honnête côté que société te fort crédit qu'il faut arriver dans moment dit ah ba raison pour ça continuer à souffrir
Li met pou sou tout même pour bon conseil. Ah ma cher, moi coup même ta dégager. Ah mon cher, c'est pas la Bible qui dit ça. Bon Dieu pas mandé pour vous souffrir ou ka dégager. Bon, ça c'est travail diable a fait, li vide dans sentiment, dans pensée pour le mettre bagaille corrompu. Et ensuite qui ça le fait? La PC ouais, s'il ka fort gain sa frité sous débauche. Li veut faire ou envie gain la haine dans cœur et toute l'autre vicieux. Pour pas vouloir ou bout gagner et de pour bout go bagay li ta vle faire sortir c'est ou doué posséder Satan vle ri nou tout l'aile de tomber dans péché li même encore fit pour sont tomber et puis li même encore chita le croiser pied pour le riou pour dire garder bagay ko arrivé faire garder ou même qui t'a shooté garder ou même qui t'a parlé balle jodi a ben ko tomber Satan toujours apprécier ouais s'il capable rendre nous dans affliction pour le faire nous souffrir et au lieu pour nous ta gain accès pour nous confesser péché nous l'autre péché il faut trouver son bagage tout normal soit faire oh j'en bien bon pas gain monde qui ka parler avec moi monde pas être avec monde parti monde qui est avec monde pas gain monde qui te bombe la vie Satan rend nous mal élevé pertinent il rend nous arrogant lui même encore fin fort péché et bien il séduit nous au point que pour faire nous habituer avec péché qui entoure nous au lieu que pour nous t'arriver dans moment pour nous repentir. C'est une des raisons où elle est tellement trouble conscience nous. Je dis à l'élevé sage à prêcher ou je vous abatte bravo au lieu que le crier. Le petit, le message à prêcher ou bien dans mon paquet monde qui a pris les petits mouchoirs qui a crié. Garçon pas les mouchoirs qui a les cheveux ici, l'absé chez eux. Ça les messages à tellement brûler lui. Bon Dieu pas la cœur, c'est l'esprit à convaincre lui. Et puis c'est qu'on soit sans y parler les monde. Ou un monde a rassemblé devant chair pour venir demander la prière. Je dis à ces bravo monde bat là yo parler. Parfois même monde qui vivent mal là, même monde qui vivent dans péché, même monde qui fait mauvais actes là. Le bagage a tombé dans message là. Au lieu elle t'a crié devant mon Dieu, il dit yes amen. Et puis amen par là pas même quand madame monde qui a repenti à nous, yes amen ça c'est bouche ouvre nous fermer parce qu'on met bouche dans cause elle. Et ou a joué de l'air ou réussi fin prêcher. Gardez moun t'a mande ki lè pou t'a fè ou tout parce qu'on t'a met bouche dans business li. Satan met ton paquet moun dans l'église comme ça, li fè anesthésie endurci pour pas comprendre la vérité. Alors c'est pour cela que li dit que nous besoin la cuirasse. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Nous voulons répondre, nous voulons enseigner exactement les trois types de justice que la Bible montre nous. Li dit protection contre attaque Satan ça yo, c'est la cuirasse de justice. Sans la cuirasse de justice, ou pas capable de triompher. Premièrement, Paul parle de la justice personnelle. Justice personnelle là, c'est n'est pas justice même, n'est pas représenter en rien devant Dieu la justice personnelle. Et nous voyons que la Bible parle de justice ça. Justice personnelle là, il fait nous priver de puissance cet esprit. Il fait nous priver de communion nous avec mon Dieu. Et il empêche non croyants, moun qui pas accepter Jésus, il fait moun ça pas vle vin accepter Christ. C'est justice personnelle qui faut ouais tout héros moun a fait. C'est justice personnelle qui faut porter jugement contre moun. C'est justice personnelle qui faut critiquer moun. On nous lit dans Marc 5 verset 20 qui ça Paul expliquer de justice ça. Il s'en alla car je vous et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ça oui, c'est Matthieu 20, Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Il dit, car je dis, si votre justice, Matthieu 5, verset 20, ça oui, Matthieu 5, verset 20. Il dit, car je vous dis, si votre justice ne dépasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Là, il parle de la justice personnelle. Justice personnelle là, il n'y a pas qu'à avoir victoire sur Satan. Si c'est avec justice personnelle ou abagi, mauvais esprit a calo. Ou qui doit dans l'église baka couvrir. Si c'est avec justice personnelle ou a réagi, ou pas capable de vivre dans sanctification, ou pas de communion à bon Dieu. Parce qu'elle dit, justice personnelle à Jésus-Christ dit ou, c'est pour chercher triompher sous scribio avec pharisiens. Ça veut dire que ce sont des hypocrites. Donc, sous prétexte de l'église, comme si vous sanctifiez, deux pour, mais ou pas sanctifié en dedans. Ça veut dire pour yo chrétien, mais en dedans yo pas chrétien. Alors, Esaïe même parlait tout dans même justice personnelle ça. Esaïe 64 verset 5. Il dit notre propre justice, à savoir notre justice personnelle. Même comme quoi derrière, il dit que vêtements souillés.
notre propre justice même comme croyant n'est rien plus qu'un vêtement souillé. Esaïe dit, justice personnelle, là, l'on voulait montrer que vous propre ou saint, l'on offre à Jésus, le doit moi-même, j'en m'y am pu, m'y am bon, j'en m'y a. Ou déjà gen Jésus dans la ville. Li pas que j'en confesse le nom de Jésus, non? Li nous li déjà gen Jésus dans la ville. Li pas pratiquer la parole, alors du homme pas, même pas fumer, pas tout le monde, pas voler. Alors le vrai Dieu même qui vient offrir Jésus à son vol, son tout yed mounouye. Au moins même banan jouer bolette, au moins même banan voyer mort sous moun. On bombe déjà gen Jésus. Ou nan menti ak tête. Jésus-Christ m'a dit pour prendre une nouvelle naissance, pour naître de nouveau, pour Jésus habiter dans la vie ou pour confesser le nom de Jésus. Parce qu'on pas qu'à confesser le nom de Jésus, pour confesser Baral ou dans Saint-Cécy ou dans Saint-Célot bois ou dans Wash ou dans toute Caldebaye. Pas bay tête ou menti. Ni de justice personnelle ça, ni tant qu'on rase sale devant mon Dieu. Tout le monde qui peut accepter Jésus, c'est Esaïe même qui dit ou représenter devant Dieu comme une rase sale. Alors, il dit que vêtement ça, il pas procurer faveur devant mon Dieu et aucune protection non plus contre Satan. Ça veut dire depuis ou pas la justice de Dieu dans la vie, c'est justice personnelle ou son petit grain de maïs pour le cabéquer à n'importe quel. Paul parlait nous de une autre justice, la justice imputée. Parfaite justice là, qui mise au compte de chaque croyant depuis l'heure où accepté Christ pour salut. Dans Romains 4 verset 6 et verset 11. Romains 4 verset 6 et 11 22 24. Romains 4 verset 6 et 11 22 24. Mais ça que la Bible nous dit. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Versets 22 à 24. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Sauveur. Paul voulait parler là de la justice imputée. Justice ça, nous recevoir le jour que vous acceptez Christ comme Sauveur personnel. Tout pour nous pour accepter Jésus-Christ personnel, ou vivre dans la justice personnelle qui vous présentez devant Dieu comme une rade sale, Jean Esaïe dit dans 64, dans chapitre 64, le verset 5. Quand vous avez envie d'accepter Jésus, ou vous jouir la justice imputée, à savoir que Jésus-Christ paye un chèque pour vous. Avec ville que le bail sous la croix, avec sang qui coulait, il paye des péchés adamiques pour nous-mêmes. Nous pas doué aucun en rien dans péché sans encore. Bon Dieu, la guerre colère li sous lui, côté que li prend, li fait victime expiatoire dans place nous. C'est deuxième justice ça, c'est la justice imputée. Tout croyant, tout monde qui accepte Jésus, le jour même qu'on accepte Jésus comme sauveur personnel ou recevoir grâce ça, là ou recevoir justice imputée, ça, c'est ça, l'étape dans sa lui à la justification. Et ensuite, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, on dit nous, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu soit loué, verset 1, pas dit, il l'a fait devenir pécheur, mais il l'a fait devenir péché. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas connu péché, il n'a pas péché. Il n'a pas commettre aucun péché dans la ville, mais bon Dieu prend lui, il met en place moi-même avec vous. Li pat commettre aucun péché, mais li vit mourir pour péché nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour nous qu'a vini dans lui même justice de Dieu. C'est ça qu'est la justice imputée. Nous habiller en permanence de justice ça pour toute vie nous et pour toute éternité. Du moins qu'on accepte Jésus, on recevra la justice imputée. C'est pour un bagage au bras chaque fois, on recevra une fois pour toutes son dépôt qui bail pour vous. Pour la vie éternelle, son dépôt qui baille, la justice imputée. Justice imputée, ça que bon Dieu parlait nous à travers la Bible, c'est un fondement existence nous en tant que chrétiens et de vie chrétienne. Il protège nous de l'enfer, il protège nous de toute attaque satanique. Justice imputée. Troisièmement, nous jouons la cuirasse de justice que nous devons habiller, que Paul m'a dit comme protection. Qui pour nous victoire contre l'adversaire là, c'est la justice pratique. Ça veut dire justice pratique là, c'est une vie que nous menons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Revertir l'homme nouveau, ce qui ne donnera pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 24. Nous devons habiller l'homme nouveau. Ça veut dire l'autre monde.
Jean nous était dans le monde là, pendant nous venons accepter Jésus, nous pas qu'à même monde encore, nous venons monde nouveau, nous venons l'autre monde. C'est la justice pratique. Chaque jour qu'on y a, nous devons marcher pour tout le monde autour de nous-mêmes, quel que soit dans le lieu que nous y est, pour nous dire qu'à dire ah un tel chrétien vrai, un tel converti vrai. Si m'ka connaît un tel jodi a prêcher l'évangile et Jean t'a vivre dans le monde là, totalement différent. Là, nous ouais, son témoignage de la justice pratique. C'est justice pratique ça que Paul enseigne là. C'est l'une besoin comme âme, deuxième âme pour combattre le bien. Si c'est la justice personnelle ou déjà c'est type poule à une minute, une seconde, Satan qu'a cassé cou. Autant qu'on grain de maïs, poule va valer autant qu'on grain de maïs. Si c'est la justice personnelle. Songez ou vite justifié ou recevra la justice imputée par Jésus-Christ qui vient nous représenter comme victime expiatoire pour nous, qu'on a nous besoin la justice pratique comme ça. Et lui montrer nous que nous devons revertir de l'homme nouveau selon Dieu d'une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La justice pratique lit au point de vue général. Verset ça a montré que nous devons pratiquer justice là, dans le travail côté mien, dans le quartier côté ma vive, dans toute administration côté moyen. Et dans le foyer tout, son verset qui englobe toute société dans toute phase qui gagne. Parce que, il dit, moi, pas qu'il doit avoir menti ou pas qu'il doit avoir menti. Il dit, renoncez au mensonge. Pas qu'il doit avoir menti. Et pour tout critique, il y a des gens qui font menti. En plus, il dit que justice, nous, on doit paraître avec une sainteté. Mais pour le produit, c'est de la vérité pour sortir. Nous sommes membres les uns les autres. C'est membre d'un corps ou c'est membre d'un corps. Il y a soutenu l'autre, il y a supporté l'autre, il y a aidé l'autre. Li dit puis gars nous fâcher puis gars nous mettre nous en colère ni à l'égard des amis ni à l'égard de notre mari ni à l'égard de notre madame ou pas gien doit fâcher avec madame ou fâcher à mari ou jusqu'à ce que vous n'allez dormir tête entière ou bien chaque monde dans chambre yo m'tande gien moun k'ap vive dans caillou gon mois deux ans quatre ans fâché ça c'est bagage diabolique bible dit ou pas gien doit dormir à colère ou pas gien doit dormir fâché n'importe petit malaise qui te gien entre nous hein faut ça traiter avant même que d'aller dormir d'une manière pour diable a pas joindre accès à la caille nous le plus souvent fait comprendre comment vivre ou dans caille là ou ennemi avec ma ou ennemi avec madame ou ennemi avec petit tout ou ennemi avec monde dehors et bible a dit ou pas gien doit dormir sous colère depuis tes gros malaise entre nous deux nous devons chercher résoudre problème non avant même que dans la cabane alors on connaît verset ça le pape fait en pile monde plaisir mais c'est pas faute nous dégageons li mettre en mer bouelle parce que il y a trop de dégâts qu'a fait il y a trop de désordre dans l'église il y a trop de désordre dans foyer il y a trop de désordre entre zanmi ak zanmi qui dit yo ses amis yo ses frères yo ses sœurs c'est plus hypocrisie qu'a manifester en nous ouais Colossiens 3 verset 9 à 14 il dit revêtez d'œuvres justes nous devons faire bagaille qui bon ne mentez pas les uns aux autres vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres ou jeune madame a bay mari menti mari a bay madame menti nèg la occupe une place dans travail il trouve le fait trop comme l'hydrogène gens il prend l'autre femme ou bien gamin ou femme dans chaque quartier et puis chaque week-end ni au côté le douce travail il voyel et puis pour diable même dit malheureuse hier encore c'est vrai mari la prend promotion et puis ça qu'on l'autre fille elle passe week-end au l'autre côté puis quitte l'autre là même a tourné des bâchis dans cale la fin grand monde eh son crime il dit pigo bay menti et gen fille tout il dit mari a m'a fait overtime c'est pas overtime vrai c'est sorti là régler business là bagay ça pas supposé fait il pas supposé produit ti moun pa gen doit bay parole menti dou la fait travail kay aux amis il fait devoir yo et pourtant c'est pas devoir k'ap fait c'est l'autre bagay k'ap fait nan n'importe circonstance ou pa gen doit bay menti bon donc dernièrement m'tap tande un prédicateur du moun yo a prêché yo dou yo call sick ça veut dire c'est malade ou pas malade ou pas supposé bay menti moun yo paye pour faire travail là c'est pour le travail tout pendant que ou pas malade. Il dit, eh, on vertit l'homme nouveau. Ça veut dire, si ton menteur, on vole, on pillage, on zingle, on kidnappe dans le monde, on prostitue, mais pas d'homme dans l'église, je ne suis pas comme ça. Si ton vagabond dans le monde ou vagabond dans le monde, je ne suis pas capable d'homme converti pour me venir comme ça dans l'église. Il dit, c'est pour nous dépouiller nous du vieil homme. Dépouiller nous du vieil homme, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et, qui t'aime dire, tout menti par fond, vle pas vle, y a pte beau grand même ou ba li jodi yo pa ken bo jodi y a ken bo demain là
dans verset 11, on dit, il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Là, nous sommes capables de demander, pour qui ça tout chire pit ça entre nous? Pour qui ça tout penser ça yo? Pour qui ça tout genre de comportement ça yo? Christ pas raciste. Jésus-Christ d'ailleurs pas mouri pour religion. Pourquoi j'aime un verset dans la Bible qui dit que Christ mouri pour religion? Pourquoi j'aime un verset dans la Bible qui dit c'est pour ni is, ni pour tis, ni pour quoi que ce soit, Christ mouri ou bien la vie chercher? Christ mouri pour l'humanité entière. L'humanité. Sous les juifs privilèges, c'est seulement accepter. Quel que soit mounouye, accepter, confesser non, croire dans le sacrifice, et puis obtenir la vie éternelle. Je dis à nous, je ne paquette pas répit. Chaque monde qui a fait non réel, il n'est pas bien avec ça. La Bible a nommé nous, n'a prêché, puisque nous n'avons pas fait étude de nous même côté, puisque nous n'avons pas dans la même dénomination, nous n'avons pas en milieu. Trop d'hypocrisie. Si la Bible dit Jésus-Christ n'est pas contre ni grec ni juif, il n'est pas contre ni circoncis ni incirconcis, il n'est pas contre ni barbare ni monde qui est intellectuel, il n'est pas contre ni esclave ni libre, il n'est pas fait exception de personne. Nous, nous ne pouvons pas exclure monde, nous ne pouvons pas faire exception de personne. L'orchita, non seulement ou monter sous chair, ou avoir étoyé sur l'autre serviteur, ou bien monter télévision radio, ou avoir étoyé, ou faire discussion pour la religion, c'est pour diable ou faire campagne, oui. Ou ap lutter pour Satan sans pas connait ou dit ou ap travailler pour bon Dieu mais sans bon Dieu parce que Jésus-Christ pas venu faire litige à personne li prêche au Christ crucifié et puis that's it puis le bagage y a dit y a prêché par contre quand Dieu sorti avec yo Paul dit si donc comme des élus de Dieu ça veut dire moun bon Dieu choisi si me sont choisi nous voit combien moun qui qu'on aller dans élection yo pas passé son grand moun qui passé yo bagage qui toujours étonné c'est que en Haïti même le moun te poser candidature soit pour magistrat ou député li met mouri il pas jambe magistrat député moun quartier toujours le magistrat député et puis sans honte la répondre bonjour magistrat bonjour député bonjour sénateur ou pas de sénateur ou pas de député ou t'es en vie sénateur t'es en vie député ou pas député ou pas qu'accepter titre là alors nous même son fierté pour nous si l'homme n'a fierté pour le pont titre qui pas pour lui moi avoir c'est pour me fier d'être comme son élu ça veut dire c'est bon Dieu qui choisit c'est pas c'est pour bagarre que moun fait pour moi et si c'est moun qui t'a choisi nous yo pas t'a mettre dans dimension ça yo pas t'a mettre dans position ça nous sont élus nous sont choisis de Dieu nous sont choisis de Dieu c'est pour nous bailler bon Dieu gloire pour ça il dit catégoriquement et si donc comme des élus de Dieu c'est et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. L'homme lit verset 12, là, lui a tiré par la doctrine de Dieu dans Michée 6, verset 8. Bible a une doctrine, li. La doctrine de Dieu, je l'ai l'unique, Michée 6, verset 8. Ou je la doctrine de Jésus-Christ dans Matthieu 5 à Matthieu 8. Depuis, ça va prêcher, elle pas dans le passage, ça y ou mettre floche, mais ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Ça veut dire demander pour gagner reconnaissance, respect pour droit de chaque monde et ça a mérité. Deuxièmement, que tu aimes la miséricorde. Ça veut dire sentiment de pitié, miséricorde, ou gagner sentiment de pitié pour l'autre monde. Ça, ou demande pour gagner un accord moral, présent et physique pour chaque monde. Et il y a encore demandé que tu marches humblement avec Dieu. Ça veut dire, ou abaisser volontairement dans tout respect, dans toute considération pour servir mon Dieu. Trois grands points importants, ça, qui fait partie de la doctrine de Dieu, me garantis, même l'autre a voulu prêcher pendant deux semaines ou pas qu'à fin prêcher. La doctrine de Dieu qui chita dans Michée 6, verset 8. Alors, ça fait comprendre ça, Paul veut dire, là, dans verset 12, dans Philippiens. Il demande nous pour nous. Habillé nous avec notre miséricorde. Je dis à un jeune monde, il dit tout pendant bouteille pas plein, bouchon pas plein. Tout ce qu'on couche, il bouge. Oh, chacun vous soit Dieu pour tous. Ce n'est pas ça la Bible demande. Ou pas qu'à dire que la cuirasse de justice comme Zam, pour égoïste, pour cette tête ou ouais. Et parfois, on a juste à bout, mais on ne veut pas l'autre, on va chez mon l'autre. Il demande pour nous gagner monter, bienveillance. Le nap font bagaille pour nous, c'est pour nous faire jusqu'au bout et faut faire pour réussir. C'est ça qui est bonté et bienveillance. Li mande pour nous gagner humilité, sagesse, faut nous connaître comment pour nous parler à monde, faut nous connaître comment pour nous aider au monde. Li mande pour nous gagner douceur avec patience, gagner monde qui pas gagner patience, qui pas gagner résistance du tout. Du moins que li camp pas avoir pour une seconde, deux secondes ou pas bon, li gagner jeter.
sous la cuirasse de justice, ou avec des patience, ou avec des douceur, ou avec des bonté, ou avec des humilité, ou avec des miséricorde, ou avec senti sous mon souffrir, c'est vous qui avez souffri. Verset 13, elle dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Mes amis, pas jouer avec bagaille ça, non? Je dis à nous, je l'église, perd du support, oui. Là, nous parler de support, ça veut dire, vous ne voulez pas aider au monde, vous ne voulez pas souffrir avec au monde. Vous ne voulez pas tendre au monde, non? Vous ne voulez pas introduire dans les affaires des autres, non? Les dix pigas, vous plaignez contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le bien de la perfection. Dans le next épisode, je vais retourner encore à verset ça pour faire plus de détails pour vous-même. Parce que c'est important pour nous ne pas courir avec elle. Le arrivé sur nous, nous avons un petit peu courir. Mais nous préférons retourner avec passage ça pour nous avoir plus d'explications, pour nous avoir plus de précisions concernant la cuirasse de la justice. Parce que c'est un bagage important pour nous ne pas courir avec elle. Il est temps pour nous réfléchir, pour nous comprendre qui ça bon Dieu voulait de nous-mêmes. Madame Pasteur, qui sont à dire à peuple-là, qui dernier mot t'a pour vous, juste avant de terminer? Nous bénissons bon Dieu, du fait qu'il te permet que vous avez parlé concernant Noni. Et nous demandons bon Dieu, il va toujours déverser grâce et sous abondamment pour capable toujours joindre pour le peuple-là. Bon, nous comptons. Dès que nous avons une opportunité pour nous avoir encore aujourd'hui, pas oublier de regarder l'émission. Il est important pour nous pour dire comment recevoir la caillou. Et il est important de souffler, supporter nous. Adresse nous prend sur écran, tout téléphone nous. Supporter nous, gens qui sont capables. Et on va relever nous, on va parler avec nous, on va dire nous ça dans le cœur, dans la pensée, dans le sentiment, comment recevoir l'émission. Et nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous. Et là, nous finissons avec comment affronter l'ennemi. Nous allons venir avec un grand sujet, c'est la liberté et la puissance que procure le pardon. Déjà mettez au prêt pour enseignement ça a tombé la caillou. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide vous. Et nous souhaitons que le Seigneur rentre la caillou pour le bénir richement et abondamment. Que bon Dieu bénisse. Enjoy. C'était Pasteur Fortin et sa femme dans le ministère de la promesse qui était rentré la caillou.
Débloqué, 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 débloqué.